Bonsoir à tous, c'est du vert ce soir pour le CAC 40 qui a perdu plus de 1% la semaine dernière, miné notamment par la crise turque. Les valeurs du luxe montent ce soir avec Kering, LVMH mais aussi Hermès. Eramet rebondit d'environ 5% après sa forte baisse de la semaine dernière, aidée par une remontée des cours des métaux. Et puis du vert aussi pour Atos. HSBC a ajusté en baisse son objectif de cours à 135 euros, mais reste acheteur sur le dossier. Et puis peu de valeurs reculent ce soir. On a un léger repli, par exemple pour Publicis sur le CAC 40. Le CAC 40 commence donc bien la semaine. L'heure est à l'apaisement alors que la Banque centrale turque a signé avec celle du Qatar un accord pour un soutien au système financier turc. La grave crise monétaire que connaît le pays pourrait toutefois demeurer un des fils conducteurs des marchés ces prochains jours, avec des investisseurs qui guettent ses éventuelles conséquences. De leur côté, les agences de notation ont dégainé. S&P et Moody's ont annoncé vendredi soir avoir abaissé leurs notes de crédit sur la Turquie. Elles estiment que la volatilité de la livre et l'affaiblissement des institutions du pays vont affecter sa situation financière, mais aussi sa croissance. Fin de ce flash et je vous donne rendez-vous demain matin à 9h30.